Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser TuxPaint pour aborder la numération avec des maternelles. Nous allons utiliser la fonction tampon qui permet de dessiner rapidement une collection. Donc ici, je vais dessiner par exemple une grenouille. Alors vous voyez qu'elle est un peu grande, donc je vais la diminuer. Hein, vous voyez, par exemple, comme ceci. Vous voyez, à chaque fois que je clique, une petite grenouille. Alors si je prends une gomme, hein, je peux effacer effectivement des grenouilles. Et si je reprends le tampon, je peux maintenant placer des nénuphars, qui eux aussi, ben, va falloir que je les règle. Et une activité peut être, par exemple, avec le pinceau, entoure les grenouilles qui vont aller sur les nénuphars. Alors effectivement, là on a 5 nénuphars, donc il va falloir entourer, alors on peut choisir la couleur, hein, les grenouilles. Chaque grenouille qui va sur un nénuphar peut être entourée. Effectivement, on s'aperçoit qu'il reste 2 grenouilles, hein, qui n'ont pas de nénuphars. Alors on pourrait faire de la correspondance terme à terme, hein, avec le pinceau, associer chaque grenouille au nénuphar. Hein. Donc là par exemple si je reviens en arrière, donc là je vais défaire, je pourrais utiliser le pinceau avec l'encre rouge et associer, relier une grenouille à un nénuphar. On s'aperçoit qu'il reste 2 grenouilles toutes seules.